trouve être Monterrois et la décision avait été prise au Conseil des ministres pour que justement nous allions à deux avec le ministre de la Défense et une grande délégation, plutôt pour des raisons de sécurité et de paix. Jamais dans l'ordre des missions dont j'étais porteur n'était question d'installer le bourgmestre et jamais dans les faits je n'ai installé le bourgmestre. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors? On vous attribue l'installation d'un bourgmestre dans la commune de Minembwe. Voilà, on me l'a attribué de façon extrêmement abusive et mensongère. Nous sommes à Minembwe avec le ministre de la Défense, mon collègue, avec le chef de l'armée et bien d'autres officiers, avec 10 députés nationaux, mais aussi avec le gouverneur de la province du Sud-Kivu et le ministre provincial de l'Intérieur. Alors, nous tenons des réunions sur le plan de la sécurité. Le bourgmestre de Minembwe fonctionne comme commune, comme bourgmestre depuis environ 2 ans. Normalement, il a été notifié par le gouverneur après sa nomination. Mais au cours de ce séjour, de ce bref séjour, une question vient sur la table, posée par la société civile, posée par des officiels qui sont sur place, mais aussi par la population, à savoir pourquoi est-ce qu'on a installé le maire de ville d'Uvira, le maire de ville de Baraka, le maire de ville de Kamituga, après leur notification, mais le bourgmestre de Minembwe, notifié au même moment, lui n'a pas été installé. Ça veut dire une formalité administrative qui n'a pas une grande importance, même dans la loi. Mais c'est plutôt psychologique. Et le gouverneur de province du Sud-Kivu, le ministre de l'Intérieur disent, en effet, vous avez raison. Ça n'empêche pas au bourgmestre de poser des actes qui revêtent le caractère officiel, administratif, mais parce que vous le demandez, parce qu'ailleurs ça a été fait, nous n'avons pas besoin de rentrer à Bukavu pour revenir pour ça. Nous le faisons le matin et le ministre de l'Intérieur a agi devant le gouvernement.